Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les Dragons sans flamme. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de votre royaume où vous allez tenter d'étendre votre territoire tout en vous méfiant des attaques de dragons. En début de partie, chaque joueur va recevoir le même lot de pièces. Il y a un set en vert clair et un set en vert foncé que vous allez devoir installer tour à tour sur le plateau principal pour étendre justement votre territoire. Et chaque pièce est composée du même nombre de cases différemment réparties. Par forme, il y a 4 cases et chaque pièce a un petit château. Ce qui fait qu'en comptant les points du jeu, eh bien chaque pièce vous rapportera 5 points, 1 par case, plus 1 pour chaque château. En début de partie, on a installé au hasard les dragons en face de chacune des 5 cavernes du plateau principal. Et ensuite, le premier joueur a reçu 4 œufs de dragon qu'il a installés selon son choix sur ce fameux carré de 6 par 6. Et le second joueur a installé à son tour ses 4 œufs lui aussi. Et maintenant que tout est prêt, on va pouvoir lancer la partie en commençant par le joueur qui a posé en premier les 4 œufs de dragon. Il va choisir une de ses tuiles royaume qu'il va installer justement sur le royaume en commençant par respecter la première règle de pose. La première tuile doit recouvrir un coin du plateau. On va poser chacun son tour une tuile royaume. Si jamais à votre tour, vous ne pouvez pas placer de tuile royaume, vous passez votre tour. Et dès que les deux joueurs passent leur tour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus poser de tuiles, à ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement. Pour mon second tour, je vais choisir cette tuile royaume. Alors, je n'ai pas le droit de l'installer ici, car par diagonale, ça n'est pas vraiment adjacent. En revanche, je vais pouvoir la mettre ici. Mais vous remarquez qu'elle est au-dessus d'un œuf de dragon. Et bien, dans cet exemple-là, malheureusement pour moi, je l'écrase. Je vais donc récupérer l'œuf devant moi, poser ma tuile royaume, et malheureusement, cet œuf me fera moins un point en fin de partie. Il est tout à fait possible de poser une tuile royaume en faisant correspondre le trou de la tuile avec l'emplacement de l'œuf comme ceci. Et à ce moment-là, on va pouvoir invoquer le prochain dragon. On regarde du coup les cavernes et on prend la plus petite, c'est-à-dire en début de partie la numéro 1. On va donc essayer d'aller attaquer le territoire adverse. Et regardez ça, on ne va pas se priver car en fin de partie, toutes les cases qui auront été recouvertes par un dragon rapporteront 0 point à l'adversaire. Donc vous voyez tout de suite les attaques que vous pouvez faire. Et voilà, la fin de partie est arrivée puisque mon adversaire ne peut pas poser une de ses tuiles. Il doit donc passer son tour et moi j'ai déjà installé toutes les miennes. On va donc procéder au décompte final. Chaque case de royaume vous rapporte un point, même celle où il y a les trous, et vous rajoutez en plus un point pour les châteaux. Les œufs qui sont passés à travers les trous ne rapportent rien. En revanche, vous allez enlever un point par œuf que vous avez écrasé. Et puis vous ne compterez pas les tuiles royaume, les cases des tuiles royaume qui seront recouvertes par un dragon. Donc dans cet exemple là et bien c'est moi qui remporte la partie. Et bien voilà chers amis pour les règles du jeu les dragons sans flamme au matériel magnifique qui est très tactique. Je vous remercie de m'avoir suivi chez Tartampion et je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien.